Excusez-moi, je vous connais, non? Je crois pas, non. C'est bon, je l'ai. Vous étiez à la cérémonie tout à l'heure. C'est possible. Vous êtes de la famille? Oula. La famille, c'est un bien grand mot. Je dirais plus l'ami d'un ami. Eh, franchement, la cérémonie, elle était ouf, non? Ça, c'est clair, on peut pas le renlever. Eh, le banquet, c'était une tuerie. Franchement, il y avait de quoi faire un infarctus tellement c'était bon. Oui, alors, il y avait la quantité, mais bon, enfin, les amuse-gueules étaient secs, le buffet était pas folichon, oui, c'était enfin, pas... Enfin, pour moi, c'est toujours l'occasion de revoir des anciens amis que j'ai pas vus depuis un certain temps. Et puis, j'avoue, j'ai pas pu m'empêcher de placer la phrase « C'est toi le prochain ». Je vais être honnête avec vous, c'est vraiment m'as-tu vu. Il y a vraiment rien de sincère là-dedans. Ça fait des années qu'ils sont là en train de montrer leur amour à tout le monde, qu'ils repoussent la date, et au bout d'un moment, bah, je commence à le connaître, le Georges. Enfin, c'est vraiment que de la mise en scène, quoi. Vous regardez le diaporama, vous regardez la salle... Eh, le diaporama, il était ouf, franchement, tellement émouvant. J'ai failli pleurer. Mais c'est exactement ce qu'ils attendent. Vous êtes trop naïf. Vous vous rendez compte que ça fait 40 ans qu'ils sont ensemble? Au bout d'un moment, fallait bien que ça se fasse, quoi. Vous êtes dur, quand même.